Sous plateau Espérance TV et c'est toujours et puis humilité plaisir nous qu'a animé émission tala oui anti-causé m'en les profiter pour me dire bon Dieu merci garder nous en vie gracien et puis moi oui. Et puis technicien nous qui là Serge nous qu'a dit bon Dieu merci pour ces opportunités tala et qu'a nous dit partager parole par le biais des médias. En tout cas, je vais profiter de saluer tous les présidents des fédérations qui ont formé l'Union des Antilles de la Guyane française, pasteur Gély Tony par côté de la Guyane, pasteur Diffette par côté de la Guadeloupe et pasteur Lambert Taylor par côté de Martinique. Yeah. Et puis sans oublier, président de l'Union, pasteur Eddy Michel Carpin, le trésorier Jonathan et puis secrétaire nous aussi. Eh bien, nous avons dit tout ce monde-là, bon courage, chebe fort, bon ministère. Mais nous les saluer, les Guadeloupéens, les Guyanais, et c'est moi-même, par contre, Saint-Martin, les Français qui ont gardé l'émission et qui ont écouté, puisqu'ils diffusaient aussi à sous Espérance FM. Nous avons salué le directeur, M. Ferjules Philippe, et puis toute l'équipe. Oui. En tout cas, nous avons dit tout ce monde-là, bon courage, chebe fort, et puis on nous avance par la grâce, bon Dieu. Gracien, bienvenue dans le plateau, amour, bien en forme, belle chemise bleue, cravate bleue, et bien bienvenue. Ben merci, merci en pile, merci en chai pour, et puis bienvenue pour vous aussi. Maintenant, un grand coucou pour tous ces moments-là qui ont gardé l'émission et puis qui ont écouté aussi. Parce que nous avons rappelé que l'émission est là, diffusée en l'Espérance FM. Et tous ces moments-là, nous avons remercié bon Dieu pour Apolli. Parce que sans lui, nous ne pouvons pas faire rien et nous avons prié tous les jours de mettre nous en vie pour nous continuer à faire parole à progresser. Bel passage. Alors, nous avons que nous avons dit dans. Et grand thème là, la vérité présente dans le Deutéronome. Oui. Et nous avons vu que une monde pas pensé que c'était un tel évangile, on dit dans le Deutéronome. Ah ouais. Et mon quoi, c'est un livre qui d'actualité, Gwassian. Oui, c'est un livre qui d'actualité. Parce que quand dans le Nouveau, quand dans l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a un long passage de Deutéronome qui est repris surtout dans les évangiles. Et Jésus, maintenant, reprend dans le passage, les apôtres aussi. Nous avons vu que c'est un livre qui est extraordinaire. Parce que pour ce livre là extraordinaire, parce que le livre là, nous qu'a lu le livre là, là et puis nous qu'a médité, nous qu'a voir qu'on nous qu'a voir expérience nous, parce que le peuple veut faire expérience, mais nous qu'a voir expérience nous, même manière ils sorti d'un point pour aller à d'un point, nous sorti à d'un point pour nous qu'a aller à d'un autre point, mais pour rien nous qu'a aller à d'un est encore plus glorieux, parce que ils étaient allés pour la terre natale promise, le paradis. Mais sous la terre. Canaan. Maintenant, nous allons pour mille ans ciel là, et puis ensuite retourner à la terre qui est restaurée. Ça semble extraordinaire. D'accord, très bien. Eh bien, on nous prie, puisque nous avons enthousiasmé pour entrer dans les thèmes là. Eh bien, on nous prie. Papa Dieu, c'est une occasion où nous de ouvrir la Bible et puis permettre à tout le monde d'écouter et prendre décision. De servir un Dieu qui est extraordinaire. Oui, oui, oui. Nous besoin du Saint-Esprit pour guider nous, toucher chacun, et puis instruire nous, nous prions en nom de Jésus. Amen. Amen. Texte là, Gracien, en disant, thème ta là, qui n'est pour titre, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Voilà. Texte là, qu'a trouvé quoi dans Deutéronome 6, verset 5. 5. Nous allons lire. Alors, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Lorsqu'on examine un texte comme ça, soit il est trop facile ou soit il est trop lourd. Qui ça va dire? Texte là, comment on dit, aimer bon Dieu. Aimer bon Dieu de toute âme, de toute chair et de toute force. Maintenant, les moins chercher, moins gratter pour moins chercher à comprendre en le texte là, mais un texte aussi facile, comment un texte là aussi profond puis répéter comme ça. Je dis nous quand ces juifs là, ils ont qu'à prononcer ces paroles là, ils ont qu'à couvrir les yeux. Non seulement ils ont qu'à fermer les yeux, mais ils ont qu'à couvrir les yeux. C'est pour rien pas sortir d'imagination, pour centrer quoi en les bon Dieu.
Ça est extraordinaire, ça, qu'on dit là. Ça veut dire que il est resté concentré à en telle la prière par rapport à la relation et puis mon Dieu, pour rien pas venir diminuer, ni ternir, ni prendre place à l'adoration. Et ça, qu'on dit, est tellement vrai. Parce que là, on a regardé que, il y a bien dit que dans la religion juive, en telle prière, qu'on s'était tellement important, on dit dans Deutéronome, puisque, et c'est ça qu'on a appelé, Shama. Oui, c'est ça. Shama, c'est racinant, c'est Shama, qui a signifié écouter, même obéir, et ça vraiment important, et qui a venu revivre sans cesse, on dit dans Deutéronome. Et c'est pour ça que dans Deutéronome, on a dit, écoute. Oui. Écoute, moi, t'as qu'à revenir, obéir, écoute. Mais pour qui raison, Gratien, et nous on les textes là toujours, et tu aimeras. Et le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Pour qui raison, et texte là, il est au singulier. Parce que mon Dieu, quand parle bon peuple, il s'est peut-être dit, vous. Eh bien, mais oui, donc texte là au singulier, ça veut dire dans la multitude là, c'est chaque monde qui pour. Et mais bon Dieu, dit Tchayo, dit Fosio, c'est chaque monde. Et l'ensemble de ces monde maintenant, qu'a fait maintenant, en unité de pensée, de croyance, maintenant, et puis un objectif précis, servir bon Dieu, t'as là, qui a demandé moi, et même, dit toute force, dit toute pensée, parce que c'est l'unique. Considérer le Dieu, ça y'a qu'à appeler, entre parenthèses, des petits, de toutes les nations, pièce. Maintenant, ne peut pas être à la hauteur. Bon Dieu, tu as là qui crée le ciel et puis terre, crée l'univers, crée toutes choses. Et puis non seulement qui a soutenu toutes ces bagailles là jusqu'à maintenant. Ah ouais, oui, ça sent. Alors, lorsqu'on regarde l'ensemble texte là, nous, jeudi jour, est-ce que normalement, nous pas imprégnés de l'eau Israël qui a fait telle prière pour t'invoquer Adonai, l'éternel, etc. Tu es concentré, tu es obligé de fermer les yeux pour ne pas te déranger. Est-ce que ce n'est pas ça, nous hériter, jour de jour, qu'il est, nous avons prié, nous avons fermé les yeux pour nous rester concentrés? Oui, c'est cela. Pour rester concentré et pour ne pas avoir une pièce de distraction. Et c'est pour ça, dans le milieu évangélique, dans le milieu chrétien, maintenant, nous avons fermé les yeux. Nous, c'est pour essayer de. Toute distraction, tout chapandant, on peut prier les yeux ouverts aussi. Oui. Puisque la vie. Un homme, la vie, c'est la prière. Oui. C'est la prière. Ou quoi qu'on dit l'auto, ou quoi prier, ou pas prier les défaits, puisque quoi pour Dieu accident. Mais maintenant, là où, et puis bon Dieu, en intimité, et puis bon Dieu, maintenant, c'est nous qu'on voit Israël concentré pour adresser en prière, et puis pour écouter bon Dieu. Parce qu'à la prière, il n'y parle, mais il n'y aussi savoir. Côté. Pour coûter, ça vaut Dieu. Oui, très bien. Absolument. Alors, on nous parlait du démotala qui est capital. Aimer Dieu, j'avais dit content Dieu. Alors, pour qui, faut que nous aimions Dieu. Et qui m'en est gracieux? Faut que nous aimions bon Dieu parce que bon Dieu démontrait. Il démontrait par ça, il fait, ça, il promet. Ça a fait ben nous, manière qu'entre nous, que. Ben nous des exemples. Ça, bon Dieu fait. Bon Dieu créait l'univers. Right. Bon Dieu créait les êtres humains. Il mettait, avant de créer les êtres humains, il mettait tout à la disposition nous, hein, pour nous en jouir. Maintenant, là où il finit de créer les êtres humains, mettez-le Adam en paradis, Adam bonheur sans fin. Et lui-même, il était grand pédagogue, grand enseignant, et c'est lui qui a géré toute bagaille. En plus de cela, là où l'homme crée, et puis créer libre encore, puis tout ça, il a besoin, il aurait été libre d'obéir ou de ne pas obéir. Et là, il a désobéi, bon Dieu paraît là seulement. Mais il démontrait pouvoir. Maintenant, à mon lit, il vient chercher, sauver, il baille Chili. Alors, je ne sais pas, qui ça, bon Dieu, peut faire dans nous? On a regardé Deutéronome, chapitre 6, verset 4 à 5. Donc, on reprend le texte dans verset 5 là, mais verset 4 là, très important. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul, c'est-à-dire l'unique, et tu aimeras l'Éternel de
tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Oui, mais... alors, qui manière vous pouvez déduire ici, hein? Premier bagage, texte qui a dit, écoutez. Oui. C'est important. C'est important. C'est important. Mm. Et en disant, mon de l'heure du jour, il y a un autre bagage qui a distrait nous, qui a empêché nous écouter. Exactement. Qui ça pour nous mettre en place pour nous être attentifs à la parole de Dieu? Eh bien, donc maintenant, déjà, maintenant, là où vous mettez en écoute, c'est-à-dire où vous adoptez en position de révérence. Oui. Hein, de révérence, parce que le grand Dieu, ce créateur, il peut parler. Alors, donc, je crois que c'est la réponse de l'amour. Parce que si vraiment, vous n'avez pas ni l'amour, dit pour écouter, hein, pour apprendre à écouter, et c'est l'amour qui va permettre nous de faire ça. Parce que le texte a dit, Israël, écoute, Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul et l'unique. Oui, alors, Pouchi et bon Dieu qui a mis point ici, c'est l'Éternel, notre Dieu, est le seul, unique, éternel. Pas oublier, peuple a resté plus de 430 ans d'esclaves en Égypte. Et il a tenu plus de 727 bons dieux qui ont adoré. Dieu, divinité. 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 Et ça, c'est ouais. Important pour vous souligner. Mais oui, c'est cela. Donc, ouais, là où mon Dieu est capable de prendre puis faire l'éducation au peuple, mon Dieu, tout détail, chaque détail est important, bah, mon Dieu. Mm-hmm. Parce que le peuple a sorti après 430 ans, et tu as dit qu'il y a Dieu pour l'appui, Dieu pour l'amour, Dieu pour la fertilité, Dieu pour la mort, Dieu pour la chasse, Dieu pour ceci, Dieu pour l'éducation. Tenez. Alors maintenant, alors, qui recommandation l'Éternel fait Israël et qui ça voulait dire? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est ça, Dieu. L'homme était tout corps, toute chair, c'est tout corps maintenant uni à aimer l'Éternel. Pourquoi? Parce que trop souvent, nous avons dit nous aimer et puis bouche nous. Mais les actions nous avons posées qui ont démontré que nous ne sommes pas en conformité et puis ça nous a dit. Mm-hmm. Donc, on dit que c'est de l'abondance du cœur qui bouche ou qui a parlé. Et la Bible a souligné ici, c'est cœur, mettez un cœur. Cœur pour trouver un même bon Dieu de tout cœur. Ça, c'est un exercice. Ça veut dire que bon Dieu parlait entier, partagé. Et qu'il a dit de tout cœur, de toute force, de tout amour. En fait, c'est un amour complet, sans partage. Parce qu'en réalité, nous pas ni les 700 et quelques dieux égyptiens en tenis, ouais. Mais chaque monde est un petit bon dieu, yo, gars, dans le monde. Exactement. Alors, moi, souligne ici hein, que aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, signifie que notre amour pour lui doit être plus fort que notre amour pour nos semblables et tout ce qui existe, car il est profond, il est le fondement et le pilier de notre être. Voyez-vous? Et toute notre existence et tout ce qui reste. Notre amour pour tout le reste en perspective. Ça veut dire que, maintenant, bon Dieu, l'amour moins bas bon Dieu, pour dépasser l'amour mani, bah madame moi, bah ichmoi, bah tout ça mani. Oui, dans la mesure que si madame moi en contradicte cadeau comme ça, non, faut pas suivre parole bon Dieu, l'amour pour bon Dieu, pour surpasser ça, pour obéir à sa bon Dieu dit. Oui, c'est pareil pour patron, c'est pareil pour un monde ou un main. De toutes les façons, bon Dieu pour être la priorité. Et moi-même, je souligne que le fondement de cette fidélité devait être notre amour pour lui en raison de ce qu'il est et ce qu'il fait pour nous. Très c'est bien. Là toute la différence. Oui. Alors, qui manière nous peut aimer bon Dieu et puis craindre en même temps? L'association, l'amour et puis la crainte. L'amour et puis la crainte. Là, il n'y a pas ni contradiction. Il n'y a pas de contradiction, car en réalité, l'amour, le remet. Maintenant, premier marché, c'est le respect. Mm-hmm.
Respect. La crainte ici, c'est le respect. C'est le respect. Alors pour vous, la crainte ici, c'est le respect. Il n'y a pas de moyen pour paix en Dieu qui, quand même, ça en fait dévorant aussi, Christian. Bon Dieu, donc, c'est un fait dévorant. Mais ce n'est pas le fait dévorant qui met en action, mais c'est l'amour. C'est l'amour, mon Dieu. C'est l'amour. C'est l'amour d'abord. Il ne faut pas voir comment fait dévorant d'abord. Parce que si vous ou est qu'on fait devant d'abord ou qu'il paie ou qu'il adore dans la paix, servi par paix, par la paix. Oui. Donc maintenant, mais c'est l'amour qui a motivé, c'est l'amour qui a présenté premier bord. Je t'aime d'un amour éternel. Donc regardez Deutéronome 6 verset 2 et les textes là-bas, nous gracions Deutéronome 6 pour qui ça bon Dieu qu'a dit ici. Oui. Donc alors il a dit, il a parlé du commandement, vous allez le pays que vous allez en pleine protection, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Oui. Et donc, quand on regarde le texte là, Gracien, on va te poser toute question qui va venir. Et quand on regarde dans le texte là, il n'a pas mentionné les filles, hein? Ton fils, les fils de tes fils. Pour quelle raison on dit dans le texte là? Non, mais c'est-à-dire que là, quand on regarde ton fils toi-même et ton fils, c'est ouais, la famille réunie là. C'est la famille globale. C'est la famille globale. Et puis à l'époque, tu as mis surtout l'accent sur le fils. Le fils, c'est le premier-né. Même pour mon Dieu, c'est la famille globale. Mais c'est la famille globale. Oui. Homme-femme. Parce que normalement, nous croyons devant Dieu, maintenant, l'homme, la femme, maintenant, c'est un. Gracien, est-ce que et commandement là ici, ou recommandation là, parce que c'est l'observation des commandements de l'Éternel. Est-ce que jour du jour, nous, en tant que Martiniquais et peuple de Dieu et les générations, est-ce que nous apprenons tant nous pour mettre commandement là en pratique en disant famille nous? Mais oui. Donc nous ni à mettre en pratique en disant famille nous ni à enseigner et nous arrivons le volet d'enseignement tout à l'heure pour nous comment donc ça important maintenant que nous-mêmes c'est-à-dire que toute famille nous au diapason et puis commandement nous ni à respecter commandement l'Éternel. Oui. On nous avance, nous va faire des pas puisque les qui ça Éphésiens qui a dit nous pour expliquer nous ici à ça fait craindre Dieu et puis en même temps aimer bon Dieu. Ça c'est un texte. Et Éphésiens 2 verset 1 à 10 et l'autre jour vous avez fait un abordage dans les textes là pour montrer que c'est par grâce nous sauver grâce. Oui. Éphésiens 2 verset 1 à 10. Oui. Alors vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous aussi, nous tous, nous étions au nombre, de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair en accomplissant les volontés de la chair. Dans des pensées, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous tous, car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Oui, alors, c'est important. Alors, là, on regarde un tel message, comme ça, qui mène à mon Dieu, qui a monté nous. Et tu nous sortis, nous qui partons à rien, fais de nous un peuple qui a appartenu à bon Dieu. Oui. Et les conditions pour montrer que personne n'a pas de mérite, mais c'est par grâce. Mais grâce, la question, on me les pose là, à présent, là, ça, c'était
premier commandement, ou quand il craint bon Dieu, ou quand il aime le Seigneur et tout cela, ça c'est pour peuple Israël. Mais pour dernier peuple là qui a vivre là, et puis qui a un message pour porter, est-ce qu'elle n'a pas le même commandement? Même commandement, Apocalypse 14, à partir du verset 6. Oui. Il a dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel et un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à tout peuple et à toute langue. Notez bien, l'évangile éternel dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Point. Là, nous virons tomber en disant la justification par la foi. Craignez Dieu, donnez gloire, obéis. Et c'est même moi qui ici à la paix. Oui, oui. Un évangile éternel, c'est l'alliance éternelle. L'alliance éternelle. Oui. Oui. Là, et en annoncé bah, tous les habitants de la terre. Donc, nous quand disons mon ange du jour, l'évangile là qui a prêché là, oui, c'est pas un peuple restreint, mais c'est un peuple mondial. Oui, 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 c'est un peuple mondial. Tous les habitants de la terre. Et nous avons souligné que l'ange là a volé par le milieu du ciel, le centre de la terre, pour diffuser l'évangile toute et nation, non. Toute tribu, et tout peuple et toute langue. Et ça qui est important, Gracien, quand nous vivons dans le temps, et moi pas contre la théologie, moi pas contre le développement des grands thèmes. Mais moi quand on y a le monde qui mettait l'accent à sous les bêtes, à sous les catastrophes, à sous les événements apocalyptiques. Mais c'est ça. Alors qu'un message là tellement simple. En évangile éternel qui veut dire la grâce de Jésus qui vient nous bannir. Jésus qui nous bannit. Et moi ça c'est point central. La grâce bannit nous. Et puis il porte la grâce bannit nous. Et puis, il a ban nous l'Esprit Saint pour nous vivre en conformité. Et puis, la grâce, oui. C'est l'évangile, ça. Ça alors, c'est alors, qui ça, et passage ta là, qui a enseigné nous à sous l'amour bon Dieu et ben, peuple, puisque il a dit comme ça, il nous a aimé le premier garçon. Oui. Donc, c'est évident. Bon Dieu aime nous le premier. Parce que bon Dieu n'a pas ni commencement ni fin. Mm. Et c'est bon Dieu qui décidait d'aménager la terre et de créer les êtres humains. Mais, donc, bon Dieu n'a pas ni commencement ni fin. Alors, qui ça, ce texte-là, qui enseigne nous à sous et l'amour, bon Dieu, bah, peuple, en nous prenant Deutéronome 4, verset 37, nous ne pouvons pas temps pour tout, puisque il y a tellement de choses pour dire, et ils sont tellement bien, tellement et belles. Mm. Et Deutéronome 4, 37. Écoutez, il a aimé tes pères. Et il a choisi de leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Il a chassé devant toi les nations supérieures en nombre et en force pour te faire entrer dans leur pays et pour t'en donner la possession comme tu le vois aujourd'hui. Oui, nous avons qui mené bon Dieu et fait peuple la sortie. Donc, mon Dieu, toujours qu'a fait part vers le peuple-là. C'est pour raison qu'à l'envoi tout, nous pour ni reconnaissance, nous pour ni l'amour à mon Dieu, et puis adorer mon Dieu là, parce que c'est lui qui délivre nous du monde du péché aussi, ouais. Gracien. Et de 7-7, Deutéronome 7-7, il a dit, « Je n'ai point parce que tu surpasses en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. » C'est un faveur et c'est une grâce. C'est une grâce. On nous regarde 1 Jean 4, verset 19, Gracien. Ça, il a dit, nous, c'est important pour dire que nous aimons bon Dieu. Et ce texte-là, il a dit, nous comprenons pour qui. Et 1 Jean 4, verset 19. Voilà, il a dit. Et puis après, quoi, il y a un passage de là sur l'amour bon Dieu. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Absolument. Il n'y a pas de photo. Ah, il n'y a pas de photo. Oui, alors, les passages de là-bas, nous voyons. Ça, Hélène Girouette qui a dit ici, il ne faut pas voir dans le plan de la rédemption le produit d'une réflexion tardive. D'accord. Oui. Il ne faut pas voir dans le plan de la rédemption le produit d'une réflexion tardive consécutive à la chute d'Adam. Il s'agit de la révélation du mystère tenu secret dès l'origine des temps, selon Romains 16, 25. Cette révélation dévoila les principes qui, dès les âges éternels, sont à la
base du trône de Dieu. Oui, oui, bannons la suite là. Nous pouvons nous réjouir du fait que Dieu soit en effet un Dieu d'amour qui nous aime au point d'être allé jusqu'à la croix pour nous et s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Ainsi, il nous a révélé cet amour d'une façon que les enfants d'Israël n'auraient probablement jamais pu imaginer. Très bien. Gratien, on a avancé. Alors, ni texte là, moi content. Vraiment, Jean 14, 15, oui. Qui a dit nous, et si vous m'aimez, gardez mes commandements. Qui maintenant nous peut prouver l'amour nous? En gardant les commandements, bon Dieu. C'est l'amour nous pour bon Dieu. Seigneur, oui, tu es amour. Oui, ou fais ça, maman. Oui, Seigneur. Eh bien, en réponse à ton amour, Seigneur, moi-même, ou moi qui obéi. Là, nous avons lu Deutéronome, on vérifie tous ces textes-là. Tout texte-là, Deutéronome, cadeau. Miséricorde. Dieu et commandement. Ceux qui aiment Dieu et observent ses commandements. Oui, fidélité. Aimer et de servir ton Dieu de tout ton cœur. Oui. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, et ses lois et ses commandements. Pourvu que tu observes et mettes en pratique tous ses commandements. Aimer et marcher dans ses voies. Oui. Donc, nous voyons que la réponse à l'amour de Dieu, c'est pratiquer, c'est obéir, c'est observer les commandements. Oui. Donc, il n'y a pas photo là-dessus. Merci. En question quand même, est-ce que le fait de mettre l'accent autant en la loi de Dieu, ça n'a pas qu'à faire nous venir légalistes? Amen non. Parce que la première projection, c'est l'amour. C'est l'amour qui nous vend. très bien. C'est l'amour. Écoutez bien, la loi bon Dieu, quoi que la loi toujours existé depuis, maintenant, mais le bon Dieu, si le peuple, le bon Dieu vini pour porter délivrance, le peuple, premier bagage, il fait. Il exerce l'amour, il délivre. Et puis ensuite, il bat en règle. Il bat les règles, les préceptes, l'éducation peuple. On nous parle dernier point là. Nous étions 2 minutes pour ça. Premier commandement, c'est qui ça? Et s'il y a un premier commandement, c'est qu'il y a un deuxième, Gratien. Marc chapitre 12, nous avons histoire de là, est-il auquel un homme, un docteur de la loi, qui a approché, dit le grand maître, le grand enseignant Jésus, puis essayer de faire un mot. Oui, Marc 12, verset 28 à 30. Un des scribes qui avait entendu discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier commandement. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Ça, c'est Deutéronome 6. L'unique Seigneur. Ensuite, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute sa part. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que celui-là. Gratien, nous pas besoin de faire commenter on les passages là. Ça nous quoi et exhorter ces mounan. Oui. C'est virer les passages là, méditer et puis dire bon Dieu vraiment quitter que des commandements là englober toute la loi en dedans chez nous puisque c'est le Saint-Esprit qui a fait travail là en dedans nous, l'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain. Ça veut dire gratien que nous peut pas dire comme quoi nous mais bon Dieu. Et puis, il est prochain nous. Nous peut pas en contradiction. C'est pas oublier ce diable qui a dit mais il y a même qui a détruit. Oui, c'est mais ça. Nous, les nous qu'un main, maintenant, les nous un main, nous pour ouvert. Parce que le texte à Kadou, un main Dieu, de tout ton cher et prochain, vous-même. Parce que si un main bon Dieu dit tout cher, ça veut dire que tout cher, guidé par bon Dieu, rempli d'amour, et vous passez par le montant seulement, par bon Dieu. Absolument. Et puis, il est prochain. Et prochain ici, ce n'est pas ça qui apporte un petit orange bord là, ce n'est pas ça qui apporte un petit de l'eau coco bord là, ce n'est pas ça qui toujours Kadou bonjour, mais c'est. Tout le monde, quel que soit le caractère. Et quel que soit, maintenant, mouna, quel que soit, qui a présenté quoi en l'échimon. Ça nous a quitté par tout le monde. Aimer mon Dieu, aimer prochain, c'est ça mon Dieu qui attend de nous. Gratien, priez pour nous finir. Papa, bon Dieu, nous avons loué, nous avons glorifié, nous avons remercié pour
et ça aura remetté en tient nous et en tête nous comme enseignement pour nous aimer par-dessus tout, dit tout tient nous, dit tout pensez nous, et puis ou quoi ajouter prochain comme nous-mêmes. Bon Dieu dit nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire rien. De nous-mêmes, nous pas ça, du bout du vent. Mais ce n'est pas grâce, c'est la grâce qui a tué nous. Et ou promettre le Saint-Esprit pour aider nous à mettre en pratique ça, on a préparé dans nous. Souple, bon Dieu, ouvre nous. Souple, bon Dieu, aidez-nous à manifester l'amour, manifester dans nous, pour nous faire ça ensemble. Préparons un peuple pour le second vénissement Jésus-Christ. C'est prier nous en nom de Jésus. Amen. Amen. Ainsi soit-il.